cœur de pirate va nous interpréter un de ses nouveaux titres. Le piano altrac. Le piano altrac, elle aussi, on adore sa voix à cœur de pirate. Son album, nouvel album, est très attendu et c'est bourré déjà de futurs succès et de futures chansons qu'on aimera fredonner. On applaudit et on encourage cœur de pirate. Les jours font d'un instant de brèves et de moments. Je ne me connais plus, tous mes repères perdus. Je croyais voir le monde pour ce qu'il était vraiment, mais son arrivée me tourmente et pourtant je me croyais plus forte, usée par notre époque. Mes blessures s'ouvrent pour lui, ne faut-il pas que je m'emporte. Le vent souffle vers l'est, de rires et de caresses. Je tangue autrement et je suis somnambule. Mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule. Se perdre dans la nuit et tout s'est décidé. Je vis que d'idéaux, de mots cassés. Je tente d'être complété d'amour et d'inconnu. Et quand il m'enlace, je ne me sens plus lâche. Les défis d'autrefois paraissent loin et pourtant je sais que cette épreuve peut détruire à jamais les espoirs d'une vie parsemée de regrets. Mais quand il me regarde, je sens mon cœur débattre. Et sans lui, c'est une mort qui s'annonce lentement. Le vent souffle vers l'est de rire et de caresses. Je tangue tendrement et je suis somnambule. Mon rêve devient silence et gère sans lui les doutes d'une incrédule. Se perdent dans la nuit et tout s'est décidé. Je ne vis que d'idéaux, de mots cachés. Je tente d'être complété d'amour et d'inconnu. D'amour et d'inconnu. D'amour et d'inconnu. Somnambule, c'est le titre qui ouvre le nouvel album de Cœur de Pirate. En cas de tempête, ce jardin sera fermé. Cœur de Pirate qui fêtera ses 10 ans de carrière à l'Olympia le 9 octobre prochain. Il y aura une tournée évidemment importante, j'imagine. Je dis qu'il y aura une tournée importante, mais quand même moins importante peut-être que les précédentes tournées qui vous avaient fatigué. Vous avez souvent raconté ça et dit que les précédentes tournées vous avez parfois épuisé. En fait, ce que j'ai voulu faire avec la dernière tournée, c'était une tournée de 250 concerts. C'était une énorme tournée, forcément, sur plusieurs territoires. D'une certaine façon, je ne me suis pas ménagée. Je suis productrice de mes spectacles, donc je voulais absolument tout faire. On sait très bien ce que ça coûte les assurances. Je ne peux absolument pas annuler de concert. Donc évidemment, le poids de justement pas tomber malade, de justement vouloir être là à chaque concert, oui, ça m'a pesé sur les épaules, mais je suis très contente de l'avoir fait. Évidemment, je vais faire les choses différemment parce que j'adore la tournée, j'adore vraiment faire des concerts, c'est mon truc préféré au monde. Donc, Et on voit en plus ouais. Que vous aimez chanter, vous êtes une grande interprète pour moi, j'adore votre voix, j'aime beaucoup les nouvelles chansons, mais c'est vrai que vous-même vous dites que cet album il est quasi inattendu, même pour vous-même, parce que vous ne pensiez pas refaire un album si rapidement. C'était un album qui... ouais, je ne pensais pas que ça allait voir le jour, j'ai été bercée par plusieurs choses qui m'ont un peu poussée à parler de certaines choses que je ne pensais pas être capable de libérer d'une certaine façon. Et je suis très contente de l'avoir fait cet album. C'est un album principalement pour les gens qui m'écoutent. J'espère accueillir d'autres fans, je me le souhaite vraiment, mais c'est vraiment pour mon public qui me suit depuis 10 ans, qui ont grandi avec moi. Dans les remerciements, évidemment, il y a tous ceux avec qui vous avez travaillé sur ces nouveaux titres. On peut citer évidemment Tristan Salvati, qui a été important pour la réalisation de cet album-là, mais vous remerciez aussi votre famille, votre mari. Alors, il y a une phrase importante, c'est la phrase, puisqu'on parlait du livre tout à l'heure de Marlène Schiappa, « Lettre à mes filles ouais. », il y a une phrase à Romy. Romy, ah, oui. C'est votre fille, et vous dites « Et Romy voit cet album comme une série de situations grâce auxquelles on peut apprendre et progresser
et non cet album comme un exemple à suivre. En fait, vous lui dites à votre fille, surtout, ne commets pas les mêmes erreurs que j'ai pu commettre. Non, mais l'album est très intéressant parce que oui, on peut se dire aussi des chansons d'amour, c'est des chansons qui parlent de justement d'amour brisé, de vengeance personnelle, mais en fait, c'est un album qui m'a permis de reconnaître les comportements problématiques que j'avais. Je sais qu'on parlait tout à l'heure, c'est très drôle parce que c'est plus mon mari, enfin on est plus ensemble, mais le papa de Romy est très présent. Et, vous le remerciez, Alex. C'est ça, exactement. Et je le remercie parce que c'est le modèle parfait de ce qu'on voulait dire tout à l'heure, et j'ai oublié de le dire. C'est lui qui s'occupe de Romy quand je suis pas là. Et d'avoir un modèle comme ça, d'avoir eu ce luxe justement d'être avec Romy, je pense qu'elle, ça va l'aider par la suite des choses. Et ouais, je pense que c'est important de le souligner. Quand vous dites « je ne voudrais pas que ma fille refasse les mêmes erreurs que j'ai pu commettre moi », vous dites que ça veut dire que vous-même, vous répétez les mêmes erreurs à chaque fois quand vous rencontrez un homme ? En fait, ou une femme. Ou une femme, oui, c'est vrai, parce que vous avez raconté votre bisexualité. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je me retrouvais toujours dans le même genre de situation ? Pourquoi est-ce que c'est le destin ? Est-ce que c'est la vie ? Mais en fait, je répétais le même schéma. J'ai été intimidée quand j'étais enfant. Je pense que je recherchais dans certains partenaires cette forme d'intimidation aussi, et je répétais ça parce que je me complaisais dans ce modèle-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, il faut travailler sur soi pour pouvoir briser tout ce genre de schéma-là. Mais c'est très dur et c'est très confrontant, et j'aborde justement des sujets comme la codépendance. Et c'est très dur de s'avouer qu'on est codépendant. Pourquoi tout. C'était pas cœur d'artichaut à la place de cœur de pirate? Elle est bien, celle-là, on me l'a déjà faite. Ouais. Votre album aussi est bien, mais vous l'aviez déjà fait. Oh, ça, c'est pas gentil, Yann. Bah, il fallait que je trouve une vacherie pour la dernière émission. Ben, vous l'aimez bien, quand même, Cœur de Pirate. Je l'adore. Merci. Non, c'est vrai, je l'aime beaucoup. Ah non, je plaisante pas, là. Ouais. C'est une très belle artiste. Un jour, il faudra qu'on ait une petite conversation tous les deux pour savoir... Il y a des fautes d'orthographe dans l'album ? Il y en a une. Non, il faudra qu'on ait une conversation un jour vraiment sérieuse pour savoir pourquoi Cœur de Pirate. Mais à part ça... Je trouve que vous avez une voix vraiment envoûtante. C'est vrai que cet album-là est peut-être un peu plus variété que le précédent, oui, qui était plus grunge. Mais celui qui dirait du mal de vous serait un salaud. Et vous me donnerez ce jour-là son numéro de téléphone. Et j'irai avec 3-4 potes de la porte de Clignancourt. On ira lui casser la gueule. Ou Jean-Claude Van Damme, avec Jean-Claude Van Damme. Christine Angot. C'est vrai qu'il y a peut-être un côté un petit peu variété convenu. Mais disons que moi, ce qui m'a frappée, voyez, quand vous venez de parler là, de ce que vous avez dit, pourquoi je retombe dans telle situation, telle histoire d'amour, etc. Tout le monde parle comme ça, donc il y a quelque chose de très ordinaire finalement et de très banal. Voilà, c'est à longueur de dans les journaux, enfin, à chaque fois qu'une actrice est interviewée, une chanteuse, elle peut tout à fait dire ça. Enfin, c'est ce que disent les gens, oui, dans psychologie. Les traumatismes sont partagés par tout le monde. Ou dans Psychologie Magazine, etc. Bon, oui. Donc tout le monde dit ça. Mais justement, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que quand vous écrivez les chansons, eh bien, vous échappez complètement à cette convention. Cette banalité de la parole sur soi-même, sur sa propre vie, sur j'y arrive pas, sur je retombe dans les mêmes schémas, etc. Ce que tout le monde dit. Mais là, vous arrivez, vous, quand vous écrivez, vraiment, voilà, on sent qu'il y a une volonté, un désir très profond de trouver une traduction écrite dans la chanson, en phrases, en mots, de ce que vous savez. C'est par exemple dans une chanson comme « Je veux rentrer » ou « Dans les bras de l'autre ». Voilà, il y a quelque chose que vous réussissez. Mais attention, tu prends des classiques, la presse, déjà. Il y a quelque chose que vous réussissez à sortir, justement, de cette banalité de la manière de dire. Elle est terrible, cette chanson. Hein. Je veux rentrer quand on écoute et qu'on lit les paroles. C'est une chanson terriblement violente, difficile, dure. C'est ma façon, moi, de me réapproprier les événements qui sont arrivés dans ma vie. Les événements n'ont pas le contrôle sur moi. Et évidemment, ce n'est pas une chanson que j'aurais été capable de faire avant, parce que j'ai de peur de vexer, de peur de juger, tout ce qui est le branding, tout ce qui est genre ce que les gens pensent de moi. Et aujourd'hui, en fait, grâce au mouvement MeToo, j'ai été capable d'en parler. Mais c'est vrai que je ne me voyais pas contourner le sujet.
Cœur de pirate, faites ces 10 ans de carrière avec un nouvel album qu'on vous conseille. En cas de tempête, ah oui, un mot quand même sur le titre. En cas de tempête, ce jardin sera fermé. C'est un titre que j'ai volé à la ville de Paris, je le dis. C'est un titre qui, en fait, c'était écrit sur les petits panneaux des squares et justement qui dit ce que ça dit. S'il fait pas beau, le parc est fermé. Ça aurait pu s'appeler Désolé, on ne trouvera plus de Vélib. Ou alors quelque chose de plus biblique. En cas de jardin, cette tempête sera fermée. Oh. Très bien. Ce sera le mot de la fin pour Yann Moixa. On ne fera pas mieux. Merci en tout cas, Cœur de Pirate, d'avoir accepté notre invitation.